Je vais les ouais, comme Billy the Kid. La merveille en a 7. Je vais la première de la liste. Et je vais les ouais, comme Billy the Kid. Et bien, salut tout le monde, c'est Narso. J'espère vraiment que vous allez bien. Écoutez-moi pour ma part, ça va nickel. Dans cette vidéo les potos, je vais tout simplement vous présenter une activité modée qui vous permettra d'avoir des armes ultra rares sur GTA 5 Online, vraiment 3 armes de ouf, vraiment. Donc il y aura le taser, des munitions de lance pyrotechnique. Donc lance pyrotechnique, pour ceux qui savent pas, on peut avoir seulement des munitions quand un DLC sort ou alors le 25 décembre. Et le railgun ou le fusil à impulsion, voilà, vous appelez ça vraiment comme vous voulez. On peut avoir ça tout simplement dans l'activité. Avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui s'abonneront à ma chaîne YouTube. Très important, activez la cloche de notification, vous cliquez dessus ou vous cliquez sur toutes les notifications pour recevoir mes futures vidéos. Voilà, j'en sors environ une par jour. Et quand j'ai pas le temps, bah une tous les deux jours simplement. À mettre le petit like, le petit commentaire, enfin bref, vous faites ce que vous voulez les gars. Et on va tout de suite passer à simplement l'activité modée. Donc voilà aussi, désolé pour les personnes qui sont sur Xbox et PC, mais malheureusement pour vous, ça ne fonctionne que sur PS4, voilà, je tiens à préciser quand même. Mais voilà, comme vous pouvez le voir sur le gameplay, j'ai le fusil à impulsion, voilà, le railgun. Et donc c'est nickel. Vous allez simplement vous rendre dans la description les gars, et il y aura simplement un lien social club. Vous allez cliquer sur ce lien social club, vous attendez un petit peu, et vous allez simplement cliquer sur ajouter aux favoris. Vous allez spawn dans un truc activité là, vous allez cliquer sur ajouter aux favoris, et vous vous connectez à votre compte PSN, et une fois que c'est fait les gars, vous vous rendez sur votre jeu, vous allez simplement faire start en ligne, activité, jouer activité, favoris. Là vous êtes dans vos captures, et dans vos captures vous allez simplement lancer free weapon, rare, un truc comme ça, voilà, free weapon, un truc comme ça. Une fois dans les paramétrages de l'activité, les potes, très important, regardez. Donc les paramétrages de l'activité, on s'en fout, sauf un seul, les gars, très important. Vous allez mettre dans armes disponibles, joueur plus carte. Très important, hein, vraiment, dans armes disponibles, joueur plus carte, très important, voilà. Et une fois que vous avez mis joueur plus carte, vous allez simplement inviter un pote à vous, lancer simplement l'activité, etc., les gars. Donc là, j'ai pas besoin de vous expliquer, je pense que vous savez simplement comment faire. Et une fois dans l'activité les potes, on va tout simplement chercher un véhicule de PNJ qui est assez proche de nous, voilà. Donc l'activité s'appelle Free Special Weapon. Et on va tout simplement chercher tout simplement un véhicule de PNJ qui est proche de nous. Parce que on va tout simplement avoir des caisses tout simplement juste devant nous. Si vous tirez dessus ou que vous les explosez tout simplement, soit avec un lance-roquette, soit avec des bombes collantes, vous allez avoir pas beaucoup de chance tout simplement de casser les caisses, alors qu'avec un véhicule, voilà, donc par exemple un véhicule de PNJ comme moi sur la vidéo, vous roulez dessus et là directement, regardez, boum, on a une caisse railing gun, une caisse munition de lanceur pyrotechnique et une caisse simplement avec le taser. Vous inquiétez pas, après on pourra la voir en session online les gars, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Regardez les gars, j'ai simplement avec juste une caisse, enfin faut juste récupérer 3 caisses et votre pote 3 caisses. Regardez, j'ai le lanceur, enfin le fusil tout simplement à impulsion. Après, comme vous pouvez le voir, j'ai tout simplement le taser, je vais le montrer plus tard dans la vidéo. Et j'ai tout simplement des munitions de lanceur pyrotechnique, regardez. J'ai pistolet paralysant, regardez mon pote Cyrox m'a tout simplement paralysé, voilà, avec tout simplement le taser. Et vous pouvez voir que ça marche à la perfection les gars, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous expliquer comment les avoir en session. Regardez, donc j'ai 20 munitions de lanceur pyrotechnique et ça c'est pas mal les gars. Regardez, hop, bon c'est comme dès qu'un DLC sort ou dès qu'on est le 25 décembre. Et voilà les gars, donc là vous pouvez soit en profiter dans l'activité, soit quitter l'activité avec votre téléphone les gars, ok. Mais vous inquiétez pas les potes, dès que vous allez quitter l'activité, vous pouvez toujours en profiter avec les 3 armes rares les gars. Donc simplement, vous allez simplement quitter l'activité grâce à votre téléphone. Et une fois en session les potes, comme vous pouvez le voir, j'ai toujours les 3 armes. Donc le fusil à impulsion ou le railing gun, voilà, vous appelez ça comme vous voulez. Le pistolet paralysant, donc le taser. Et les munitions de lance pyrotechnique les gars, j'en ai 20, voilà, 19 vu que j'en avais utilisé pendant l'activité. Mais vraiment très important, si vous changez de session les gars, donc c'est très important que je le dise maintenant, si vous changez de session, vous n'allez plus l'avoir. Pareil, si vous relancez votre jeu, etc., il faut vraiment rester dans la même session. Et tout à l'heure, je me suis fait tuer simplement à cause des flics. Et dès que je suis mort, dès que j'ai respawn, simplement, j'avais plus les 3 armes. C'est vraiment juste ça qui est dommage, mais après, voilà,
Juste vous invitez un pote à vous, vous mettez la police ferme les yeux ou alors la compétence de PDG, soudoyez les autorités. Vous lui faites croire que, je sais pas, vous avez trouvé un cheat, etc. Donc voilà, ça peut être vraiment fun à faire entre potes. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez vraiment pas, bien évidemment, à liker la vidéo, à mettre le petit partage, etc. Et si t'es malheureusement toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, frérot, ben vraiment, abonne-toi, n'hésite pas, voilà, avec la cloche de notification. Donc, c'est-à-dire, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu cliques sur la petite cloche et sur toutes les notifications. Voilà, les gars, j'arrive plus à parler. Bref, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite vraiment pas à liker. Moi, je vous dis à la prochaine.